Moi, ce que j'aime, c'est l'authenticité. Et j'ai jamais aimé faire les choses comme tout le monde. To me, marketing is about values. Think different. In the next decade, you will be competing with more brands than you ever have. Branding, it's influencing. And we are calling it iPhone. Au programme de cette interview, Instagram, storytelling, musique, branding. Aujourd'hui, dans le siège, on a Damien Joly pour le Joly Marketing. Salut Damien, comment ça va? Écoute, salut David, je vais très bien, en pleine forme. Merci beaucoup à toi de m'inviter dans cette interview, pour moi c'est un honneur, mais je vais très bien, je suis en pleine forme du côté de Toulouse ici, ça va, tout va bien. Pour remettre dans un temps contextuel les choses, on est lundi début de semaine, donc au taquet, c'est ça hein, d'après ce que je comprends. Au taquet, bien sûr, les objectifs posés, toujours comme d'habitude. Bien sûr, bien focus. On adore le lundi, Et donc voilà, quoi. Non, impeccable. Bon, le programme te va, ça va? Instagram, storytelling, musique, ouais, branding, cool. Je pense que c'est toi, quoi. Ouais, mais carrément, bien sûr, bien résumé, non, complètement, bien sûr. Bon, ça me fait super plaisir, en tout cas, parce que c'est vrai qu'on échange, pour tout dire, on échange souvent, régulièrement entre nous, et on a les mêmes valeurs, voilà, à peu près le même âge, etc., du moins on est parents, etc., etc. Donc ça me fait vraiment un réel plaisir qu'on puisse passer et échanger un bon moment ensemble durant cette interview. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas, Damien, et pour tous ceux qui ne connaissent pas le Joly Marketing, nous, en tout cas, dans l'interview, j'ai justement ce que j'appelle le pitch. Le pitch, c'est quand même un sacré levier aujourd'hui en branding. Et donc, ça te permet en 2 minutes, 10 minutes, 30 minutes si tu veux, de pouvoir nous expliquer qu'est-ce que le Joly Marketing et qui est Damien Joly. Je t'en prie, à toi de jouer. Allez, ça marche. Alors, le Joly Marketing, bon, tout simplement, ben voilà, pour reprendre mon nom de famille, le Joly Marketing, en fait, ben, du coup, comment j'en suis venu à créer ça? Parce que l'idée, c'est pas que j'arrive ici avec la fleur au fusil. C'est que, non, moi, j'ai démarré en 2018 entrepreneuriat et j'ai démarré, en fait, un projet qui tournait autour de la musique et du disque vinyle. Pourquoi je vous parle de ça? C'est important, du coup, pour vous compreniez la dimension un petit peu du Joly Marketing. Moi, j'étais plus jeune, quand j'avais l'âge de 18 ans, moi, j'ai perdu soudainement ma maman, donc un de mes piliers. Et en fait, moi, la musique a toujours été, un énorme point de soutenance pour moi. La musique, c'est vraiment une énorme alliée pour moi. Et du coup, j'ai créé un projet qui s'appelait Mister Galette, qui existe encore, hein, le compte Instagram existe encore, où j'ai partagé tout un univers autour du disque vinyle et j'ai créé une marque de vêtements. Donc c'est comme ça que j'ai fait mes armes sur Instagram et que j'ai compris la puissance du branding, du storytelling, le fait de raconter des histoires, de bâtir deux communautés et derrière pouvoir arriver à vendre ses produits. Donc c'est en créant cette marque de vêtements que j'ai découvert un petit peu tout cet environnement. Chemin faisant, je ne suis pas arrivé au résultat escompté. Et il me fallait trouver une solution pour pouvoir, nourrir ma famille, vivre de mon activité. Il était impossible que je retourne chez un patron. J'ai créé le Joly Marketing. Je me suis dit, tiens, le nom, c'est sympa. Et puis, en fait, je me suis vraiment passionné par tout le marketing, branding, storytelling. Et c'est comme ça que je me suis lancé en faisant, un tour de mes compétences, en mettant tout ça à plat. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais créer un compte sur Instagram dédié au branding, storytelling et surtout les techniques marketing. Donc voilà, c'est comme ça que l'aventure a démarré. Mais aujourd'hui, j'accompagne moi des clients en leur créant une image de marque. Et aussi, je coach à la fois des clients, des entrepreneurs et particulièrement les investisseurs immobiliers. Donc voilà, aujourd'hui, le Joly Marketing et son univers. Et bien sûr, de temps en temps, je partage toujours un petit vinyle dans mes stories parce que c'est mon ADN, ça fait partie un petit peu de mon univers. Donc, le Joly Marketing, aujourd'hui, ça a quel âge à peu près pour, c'est tout frais, ça aura... Alors, concrètement, j'avais créé le compte Instagram en mars 2020. Donc là, j'ai mangé un confinement, si mes souvenirs sont bons. Et du coup, j'avais stoppé l'activité parce que ma femme, à l'époque, était enceinte jusqu'au cou. Donc voilà, donc c'était complexe de lancer tout ça. Mais officiellement, on va dire même pas une année, quoi. J'ai vraiment... Après, repris le flambeau du compte Instagram et de l'activité en juillet 2020, quoi. Donc ça même pas une année. Aujourd'hui, le Joly Marketing, c'est viable, t'en vis complètement. Je veux dire, tu fais que ça. Déjà, ma première question, est-ce que tu fais que ça? Ouais, aujourd'hui, je ne fais que ça.
En à peine un an, tu ne fais que ça. Aujourd'hui, c'est viable d'un point de vue financier ? Oui, totalement. Okay. Et c'est quoi, en termes de chiffre d'affaires, maintenant, en à peine un an, le joli marketing mensuel, là, dernièrement ? En gros, alors, on donne une fourchette. En gros, alors là, ben, en fait, ben, depuis, ouais, depuis vraiment juillet dernier, ça a commencé au mois d'août. J'ai eu mes premiers clients et là en tout, enfin bah, là j'ai terminé, mais là j'ai dépassé les 20 000 euros de chiffre d'affaires en 6 mois quoi. 20 000 euros de chiffre d'affaires. C'est énorme. Moi je trouve ça énorme quand même. Voilà, c'est quand je dis c'est beau parce que. Souvent, on me dit, oui, sur c'est long, Internet, ça demande du temps, on nous dit qu'on peut... Non, c'est, voilà, là, on a Damien, ça fait un an, un peu moins d'un an qu'il a commencé, et ce mois-ci, il a atteint les 20 000 euros de chiffre d'affaires. Donc, oui. Félicitations à toi, et comme quoi, c'est possible, mais ça, c'est quand on veut, véritablement... Quand on a d'autres piliers, comme par exemple certainement se former, parce que je sais que chez toi c'est important, comme beaucoup de choses qu'on va voir tout au long de ton parcours, justement. Alors, le parcours, là, du joli marketing, c'est, t'as commencé, est-ce qu'aujourd'hui tu fais exactement ce que tu fais il y a moins d'un an ? Pas du tout. En fait, aujourd'hui, j'ai surtout appris à vraiment ben, connaître mon ben, du coup ma communauté, mais surtout mon client idéal, et surtout voilà continuer à me former. Et moi, je me forme toujours au branding. Hein. David, moi je sais que ben, pour toi tu restes, enfin pour moi hein, tu restes le number one, j'ai envie de dire. Mais bien sûr, mais j'en apprends toujours. Et non, mais c'est surtout important de se former. Et je pense que la différence aussi elle est là, c'est de surtout ben, de vraiment. Pour moi, ce qui a changé les choses. Si je puis dire, c'est de me former, de connaître mon business, de connaître ben, du coup vraiment ben, mes sujets, hein, de quoi je parle, et surtout aimer les gens. J'ai vraiment envie d'insister là-dessus parce que je pense que si on se dit tiens allez j'ai envie de ben, faire un business sur internet, j'ai envie de me lancer, si à la base on n'aime pas les gens, je pense que enfin voilà c'est Il y a toujours un côté commercial. C'est très compliqué. Donc, moi, avant, j'étais ouvrier et parce que je n'ai pas du tout de formation. On me pose des questions des fois. Du coup, tu as fait quelle école de commerce ? Je n'ai pas fait d'école de commerce. J'étais ouvrier. Je portais un bleu de travail et j'étais malheureux parce que ben, je m'adressais à des machines, en fait. Et alors que je suis une personne qui est capable de parler à un inconnu dans le métro. Donc, moi, j'aime les gens sincèrement, et c'est ça qui fait vraiment la différence, moi, dans mon business aujourd'hui, quoi. C'est que l'humain me passionne, et d'envie d'aider les autres, l'envie d'aider les autres, ben voilà, à se positionner, à avoir un branding optimal, des stratégies sur les réseaux, de façon à avoir plus de clients, enfin bref, c'est que tout ça, ça m'anime, quoi. Comment t'as fait, justement, parce que j'ai exprès hein, dit la finalité, et c'est pas la finalité, tu vas encore exploser, j'en suis sûr, mais aujourd'hui, voilà, on a dit un chiffre, et ce n'est que du chiffre d'affaires. Attention, derrière, il y a des charges, derrière, il y a plein de choses, il y a des investissements, etc. Ce n'est que du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, Damien, je pense, ne se met pas à 20 000 euros cash dans sa poche, connaissant le monde de l'entrepreneuriat, et donc, mais... Ce qui est intéressant, c'est moi, ce qui m'intéresse, c'est pas le chiffre pour le chiffre. C'est pas voilà. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est comment tu as pu, en moins d'un an, justement, avoir une telle évolution. Sur quoi tu t'es focalisé ? À ton avis, c'est quoi qui a fait justement cette évolution si rapide ? Alors, tu l'as dit, l'humain, la connexion à l'humain, certes, mais je pense que ça fait pas tout parce qu'il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont sur la toile pour se connecter à l'humain, pour vendre leurs compétences ou vendre leur passion et qui n'y arrivent pas à créer cette communauté. Si on parle un peu de chiffres Instagram, tu arrives à peu près aux 1000 fans, ce qu'on appelle les 1000 fans, à 1000 abonnés sur Instagram qui restent ton levier principal, ton canal de ton réseau, on va dire, même si tu en utilises d'autres. Ou du moins, tu as commencé avec celui-ci. Et comment, en quelques,
Essaye, si tu pouvais te rappeler de quelques leviers que tu as mis en place, de quelques solutions, de quelques, ou des fois même changement de cap dans cette année entrepreneuriale pour arriver à ce résultat. Ok. Alors moi, c'est tout simple. Je vais te résumer ça même en un seul mot. Mindset. C'est tout. Pour moi, tout se passe dans la tête. C'est-à-dire que à partir du moment où voilà, on met en place les actions et qu'on en fait, on fait face à des erreurs, à des échecs, on fait face à des noms. Voilà, moi, j'ai eu un premier client que j'ai accompagné en community management. Hein. C'est comme ça que j'ai démarré et que j'ai compris que j'avais des compétences sur Instagram et que j'ai compris que je pouvais amener de la valeur aux autres. C'est que j'ai eu un nom, deux noms, trois noms, quatre noms. Et puis après, quand du coup, j'ai commencé moi à prospecter sur les réseaux, que j'ai eu un nom, deux noms, trois noms, c'est pareil. Et puis au bout d'un moment, on a un oui. Et puis ce oui, ça a été un premier accompagnement. Et puis après, on est dans ce qu'on appelle l'accomplissement de soi. Donc après, il y a des choses qu'on ne connaît pas, donc on va se former, donc on pose des questions. Et puis après, le but, c'est de faire. On développe un produit minimum viable et puis après, on le fait évoluer. En fait, je parle souvent d'ailleurs aujourd'hui, c'est que moi, je ne me focalise en fait jamais même sur mes résultats. Et bien sûr que j'ai des objectifs financiers, mais je ne me concentre en fait jamais sur cela. Moi, je me concentre uniquement sur le process, sur ce que je maîtrise. Et en fait, du coup, plus on va se former, plus on va maîtriser, on va capitaliser sur ses compétences. Et c'est comme ça qu'après, on pourra arriver à des résultats, parce que du coup, on va être capable d'activer des leviers au fur et à mesure. Et voilà, mais si ces leviers, après, voilà, on a conscience de la valeur, de ce qu'on engrange. Et c'est comme ça, voilà. Mais moi, j'ai fait évoluer mes coachings au début. Je vendais ça à 3 chiffres. Et maintenant, je suis à 4 chiffres. C'est fou, quoi. Donc, c'est juste une question de process. Pour moi, c'est une question de mindset et de process, tout simplement. Mais... Donc pour toi, c'est le fait de... Parce que qui dit chiffre d'affaires dit client. Et alors, il y a eu deux choses. En plus, tu nous l'as dit, c'est ça qui est important. Il y a eu augmentation de la valeur de l'offre. Ouais. Concrètement, tu as augmenté tes prestations. Tu as augmenté les prix de tes prestations. Ça, et on verra peut-être grâce au branding, parce que c'est un des aspects du branding. Du moins, grâce à la perception que peuvent avoir les gens, tout simplement. Oui. Ton audience et plus d'acquisition, j'imagine, client. Parce que pour faire 20 000, il faut acquérir quand même. C'est pas avec un client. Peut-être pas. Si, on peut, mais je me demande si c'est avec un client que tu as fait 20 000 euros. Donc, plus d'acquisition. Cette acquisition, tu penses que c'est dû à 90%, voire 100% au mindset ? T'as pas mis en place d'autres leviers importants, de la prospection, un changement de... peut-être un changement. Alors, certes, peut-être un changement de mindset sur justement la prospection, sur la vente, parce que c'est un mot qui est dur aujourd'hui en France. Hein. Oh, il est vilain comme mot en France, pour beaucoup. Alors que j'avais Roman Cover il y a déjà quelques semaines maintenant, qui disait que prospecter, c'est proposer. Je trouvais ça magnifique. Donc, est-ce que par rapport justement à cette augmentation de chiffres qui est due à une augmentation de clients et de ton offre, qu'est-ce que tu as mis en place pour développer ça ? À la base, on a bien compris, c'est le mindset, mais il y a eu concrètement et de manière tangible d'autres leviers, j'imagine. Bien sûr, comme je l'ai dit, je me suis concentré sur mes compétences et en fait, je me suis dit, c'est surtout en fait à partir du moment où j'ai effectivement, et je vois où tu vas venir et tu as totalement raison parce que c'est important de souligner, j'ai changé de branding il y a quelques semaines de ça et en fait, et du coup, à partir de là, en fait, je me suis dit, tiens, il faut que je me démarque. Parce que voilà, il y a beaucoup de choses qui se font sur Instagram, et Roman le fait, hein, moi je fais énormément, je fais que de l'inbound marketing, parce que moi j'ai pas d'objectif de notoriété pour le moment, j'en suis pas là, et pas du tout. Donc voilà, moi j'ai mis vraiment apporter de la valeur à mon audience, du coup vraiment voilà, cibler mon audience avec les bons sujets, les bonnes thématiques, avec des carousels, avec des posts, et puis là du coup on va parler au cœur de cible. Et tout en du coup en communiquant en story, avec des templates de story, avec du storytelling, avec des histoires, en incluant mon audience. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'adore faire et que j'enseigne aussi, que je partage à mes clients. Et puis après, voilà, du coup, il y a un client qui a été accompagné, qui a été ravi, qui en a parlé à ses associés. Donc là, du coup, ses associés m'ont contacté. Donc là, du coup, on est en train de mettre en place toute une identité visuelle sur leur compte Instagram. Parce que du coup, voilà, ils vont activer ce levier sur le court, moyen, puis le long terme ensuite.
Donc voilà, c'est qu'en fait, ben, quand à partir du moment où on délivre ben, une prestation qui est de qualité, ça peut aller très vite. Et qu'aujourd'hui, voilà, ben, si on fournit de la qualité, les gens parlent, et ça, c'est le meilleur marketing. Et derrière, ils arrivent sur un compte Instagram qui est optimisé, avec des visuels qui vont bien. Du coup, ben, du coup moi, le marketing de contenu fonctionne pour mon compte. Parce que voilà, c'est, du coup, les gens arrivent sur mon compte. La photo, ben, y a la couleur jaune, moi, dans ma photo de profil. Mon contenu, voilà, ben, sensiblement, avec l'identité de marque, ben, du coup, j'influence les comportements sur mon compte Instagram. Je n'ai pas encore de site web. Je suis en train de développer mon groupe Facebook. J'ai mis une formation sur mon groupe Facebook. Voilà, bref, je suis en train aussi d'améliorer tout ça et de lancer le podcast actuellement. Donc, voilà, tout ça, ben, cet écosystème, bien sûr, il faut le penser branding. C'est très, très, très important de maîtriser sa marque et toutes les influences autour, quoi, surtout. Donc, ouais, si je résume bien, c'est le fait de développer au fur et à mesure, en restant focus quand même, mais de développer au fur et à mesure tout l'écosystème, toutes les petites branches qui vont alimenter ce processus justement de fédération de la communauté et surtout d'acquisition de nouveaux prospects, si j'ai bien compris. Exactement, exactement. Et tout ça parce que justement, tu mets un point à bien apprendre tes process. Et une fois que tu as appris, acquéri un process, que tu peux bien le mettre en place, tu peux passer à un deuxième process. Et c'est finalement ce qui va te créer tes diverses branches pour mieux acquérir les prospects. J'essaye de résumer ça de manière très tangible pour ceux qui nous écoutent. C'est ça. Okay. C'est ça. Alors moi, aujourd'hui, je le fais vraiment sur Instagram, hein, vraiment aujourd'hui. Donc, c'est faut souvent laisser le temps au temps, quand même. Je veux dire, est-ce que ça, tu aurais pu le faire en un mois? Est-ce que tu aurais pu faire 20 000 euros en un mois? Mais non, enfin... Voilà, moi, aujourd'hui, je suis père de famille. Donc, ben, forcément, ben, j'ai des contraintes familiales. Enfin, des contraintes... Je ne suis pas comme un petit jeune, par exemple, Roman... En ce moment, voilà, ben, il fait des nuits s'il faut, lui, il fait des journées de 18 heures. Moi, je ne peux pas me permettre de faire des journées de 18 heures aujourd'hui. Donc voilà, moi, est-ce que ça change quand même les choses? Parce qu'il n'a pas fait non plus 20 000 euros en un mois et on n'est pas là pour comparer quoi que ce soit. C'est juste à un moment, je trouve qu'il faut dire les choses, c'est que ça ne vient pas comme ça. On alimente un process, et tu l'as dit, on alimente un process, on travaille sur un process, et pour l'acquérir, ce process, pour vraiment qu'il devienne puissant, pour qu'il devienne utile, bah, ça demande du temps, un minimum de temps. Mais bien sûr, non, mais Rome, c'est pour faire un jour, donc non, mais je suis tout à fait d'accord, et puis voilà, il faut surtout améliorer ses process, voir ce qui fonctionne, éliminer ce qui ne marche pas, et puis se concentrer sur le ratio 80-20, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, toujours cette fameux principe de Pareto que j'applique beaucoup dans mon activité, et donc voilà, bien sûr, non, ouais, ça c'est essentiel selon moi, et puis voilà, après, ben, des lectures, etc., enfin bref, tout ça quoi. Tu nous disais qu'Instagram, donc, c'était le début du joli marketing. C'est aujourd'hui, ça reste le principal canal d'acquisition, de conversion du joli marketing. J'ai envie de te dire, Instagram, c'est pas trop dur aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de concurrence quand même. Alors, moi aujourd'hui, bien sûr qu'il y a de la concurrence, mais en fait, pourquoi j'aime ce réseau social? Parce qu'en fait, bah, du coup, Instagram, pour moi, c'est vraiment une plateforme qui est juste extraordinaire. Parce que ben on peut à la fois lier de l'humain, lier ben du coup faire un peu du microblogging, c'est comme ça que j'appelle. Enfin, moi c'est je vois Instagram comme ça, on peut faire du microblogging avec ses posts Instagram qui sont très ciblés, voilà, parce que du coup on a vraiment étudié ben son client idéal, etc. Tout, enfin on a vu tous ses objectifs et derrière ben du coup la story qui est surpuissante parce que ben là on va créer du lien en fait émotionnel et c'est là je trouve que c'est extrêmement puissant et c'est pour ça ben que YouTube, ça fonctionnera toujours. L'emailing aussi, ça fonctionnera toujours. Parce que voilà, bah, du coup, aussi, il y a le copywriting avec la puissance des mots. Enfin, voilà, tout ça, c'est des détails qui sont très, très, très importants. Et si bah, on commence à s'intéresser, bah, du coup, au biais cognitif, à la psychologie humaine, on peut très bien, du coup, appliquer bah, tous ces différents principes sur les différents canaux qu'Instagram propose, du live, de la story, des IGTV, des posts, des réels. Enfin, je trouve que la panoplie est juste extraordinaire. Et du coup, par rapport à la concurrence, ben, en fait, j'ai envie de dire qu'il n'y en a pas forcément parce que ben, on est tellement nombreux qu'en fait, ben, des points de connexion, on peut en créer avec des milliers de personnes, des centaines de personnes. Et si je ne plais pas à une typologie de personnes, mais c'est OK. Et tant mieux, quelque part, parce que ben, je préfère me concentrer sur la personne avec qui je partage les mêmes valeurs. Donc, en fait, j'ai...
aucune inquiétude en fait, pas de par rapport à la concurrence. Je pense que on a tous l'opportunité et tous sa chance à saisir sur Instagram particulièrement, même mais sur tous les réseaux. Pourquoi plus Instagram que certains vont aller choisir YouTube ou d'autres, Facebook ou d'autres, tu vois, pourquoi toi tu t'es dit c'est sur Instagram et je te demande ça, c'est parce que je crois que ça fait 4-5 interviews là que j'ai réalisé à 80, voire à 100%, tout le monde était sur Instagram quoi, en premier lieu. Okay. Donc pourquoi ce canal est tellement magique, j'ai l'impression, dans la prospection et la conversion? Alors, moi, ce que j'aime en fait sur Instagram, c'est qu'il y a, pour moi, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Il y a beaucoup de personnes qui sont sur Instagram. La situation actuelle, la crise sanitaire aussi, a amené les gens à se digitaliser. Donc, forcément, que ce soit les coachs, même les commerçants, les artisans, beaucoup de monde se disent attends, là, il faut que je garde le lien avec ma clientèle. Donc, je vais aller sur Instagram. Moi, pourquoi j'ai choisi Instagram, par exemple, pourquoi je n'ai pas choisi de développer YouTube? Parce que pour l'instant, je n'en suis pas là. Et je préfère d'abord, moi, saigner le réseau social Instagram. Et après, quand ce sera OK, moi, pour cette partie-là, quand j'aurai atteint mes objectifs et que je pourrai vraiment me concentrer sur YouTube, parce que YouTube aussi, je trouve que c'est juste aussi une plateforme qui est géniale. Hein. Surtout, voilà, par l'organique, on peut l'intégrer sur son site Internet. Enfin bref, on peut faire beaucoup de choses en termes d'SEO aussi, qui est notre stratégie. Mais bien sûr, d'abord je saigne Instagram, après je saignerai Facebook, et puis après je saignerai YouTube. Pourquoi ce choix? Dans la Parce facilité, que je trouve que dans le, dans, alors tu l'as dit, c'est émotionnel, mais pourquoi ce choix? Si tu veux, parce que la plateforme, elle a quand même des caractéristiques qui sont différentes des autres canaux, des autres réseaux sociaux, et si tu l'as choisi. C'est pour une attirance, je pense, particulière. Ouais, bien sûr. Moi, j'aime beaucoup le côté graphique qu'on peut apporter avec les posts Instagram. C'est vraiment ce côté graphique qui me plaît beaucoup. Et pourquoi, par exemple, pas Facebook ou pas LinkedIn? Parce que voilà, moi, sur Instagram, ce que j'aime, c'est vraiment de développer ce côté graphique et de pouvoir après profiter aussi de l'algorithme, des hashtags, beaucoup de leviers qui sont accessibles aussi sur Instagram. On peut toucher tout type de typologie de prospects. On peut aller observer un petit peu ce que les gens font. On voit les stories. Bref, c'est un réseau qui est très permissif. Et je trouve que c'est juste pour moi une mine d'or, en fait. Vraiment une mine d'or à ciel ouvert. Et puis moi, j'aime ce réseau social. Je trouve qu'il est très dynamisant. Il est très fun à utiliser. Moi, je trouve que c'est plus que du business. Je trouve que c'est vraiment, voilà, c'est un réseau social qui est très, très, très divertissant. Et puis en plus, ils sont en train de développer des outils. Voilà, ils ont développé des réels. Bon, même si on sait que ça vient de TikTok. Mais voilà, il y a beaucoup de choses. Ça reste du divertissement. Il y a beaucoup de canaux. Enfin, moi, ça me plaît beaucoup, quoi. C'est vraiment une plateforme qui me plaît beaucoup. Ouais, je comprends. Et les mots que tu utilises, jeu, divertissant, visuel, c'est aujourd'hui ce qui parle à beaucoup de personnes au-delà de... voilà, le corporate, il s'est atténué de plus en plus quand même. Et ouais, ça parle à tout le monde. Et tu l'as dit, il y a cette... Il y a ces deux piliers qui sont extraordinaires, c'est qu'on peut être hyper sérieux quand même sur et hyper brand content sur Instagram, comme très très personnel, on peut dire des choses vraiment très personnelles, et en plus il y a ce côté story qui va valider tout ça, qui va renforcer ça, cette proximité. En tout cas, je comprends ton choix, ça c'est sûr, Damien, là-dessus, je veux la même. Il y a quelque chose qui m'intrigue. Alors, le joli marketing, c'est plutôt un nom de marque d'entreprise. C'est justement, je te dis ça, c'est parce que ce qu'on vient de parler, c'est ce mix entre le fun, le côté corporate et le côté sérieux, le côté entreprise et en même temps le côté perso. Et chez toi, on le retrouve bien, c'est-à-dire qu'on a le joli marketing, qui est un nom de marque d'entreprise, qui est un nom plutôt corporate. Et en même temps, il y a un mix entre ce branding et du personal branding, où il y a Damien Joly, qui est au cœur de ça, bien entendu. C'est rare, soit généralement on fait du branding, soit on fait du personal branding, toi tu mixes les deux, ce qui est une chose compliquée, faut le dire, parce que des fois on ne sait pas où mettre la limite, etc. Donc pour toi, c'est quoi le branding, c'est quoi le personal branding, et pourquoi tu as voulu mixer justement ces deux éléments? Ok,
moi, on va dire, mon fer de lance, moi, ce que j'aime, c'est l'authenticité. Et j'ai jamais aimé faire les choses comme tout le monde. C'est, bon, c'est peut-être un discours, je ne sais pas si ça, on peut déjà l'entendre, mais moi, je trouve vraiment d'amener ce côté atypique. Voilà, ouais, en fait, moi, mon nom de famille, joli, je le trouve trop cool, je le trouve trop classe. J'adore mon nom de famille. Et j'ai toujours été passionné. Enfin, du coup, même ce projet Mister Galette m'a vraiment fait aimer le marketing. Je suis passionné par le marketing. Et je trouve ça juste génial comme domaine. Et du fait de pouvoir y amener une touche authentique, je me suis dit, attends, mais je trouve ça génial. En fait, au début, j'avais mis mon logo Joli Marketing. Enfin, j'avais un ancien logo, d'ailleurs, qu'il faut que je t'envoie, David, parce que je suis en train de le retravailler. Mais du coup, non, j'ai vraiment du coup amené après ma photo parce que je voulais incarner en fait mon entreprise. Et c'est ça qui m'a plu et que du coup, je fais un mix, comme tu dis, entre branding et personal branding. Voilà, c'est que je voulais vraiment amener un côté authentique et fun et puis démocratiser un peu ce côté, comme tu dis, société. Et je vais le garder comme ça. Mais voilà, sur ma description Instagram, le Joli Marketing, Damien Joli. Et puis voilà, ça alors aujourd'hui, c'est moi, quoi c'est comme ça, c'est... Aujourd'hui, c'est le Joli Marketing ou aujourd'hui, c'est Damien Joly? C'est les deux. C'est les deux, ok. Ok. Mais ça montre une chose, c'est que souvent, on vient en accompagnement me dire « Moi, je veux la société, je veux que ce soit la société, je veux surtout pas qu'on voit mon visage ou qu'on me voit ou que ce soit moi qui représente, pour plein de raisons. La dernière fois, il y en avait un qui était « C'était pour mieux vendre ou pour mieux... » voilà. Et puis, il y en a qui viennent me voir en disant « Je veux absolument que ce soit moi pour mieux fédérer, etc. » Est-ce que pour toi, justement, quel est l'avantage de mixer les deux? Quel est l'avantage de... Et quels sont les inconvénients aussi des deux? Comment tu arrives à différencier ces deux pôles, ces deux leviers, si je puis dire, entre le branding un peu plus corporate, un peu plus entreprise, et le personal branding? Comment tu arrives au quotidien comme ça à dire, OK, là, on va plutôt aller dans le sens entreprise, ou là, on va plutôt aujourd'hui aller dans le sens... personnel, ce que j'ai sur le cœur, quoi. Ok. Alors, je t'avoue que moi, je me pose jamais la question. En fait, étant donné que moi, si tu veux, je pars du principe que c'est moi qui incarne ma marque aujourd'hui, donc c'est moi qui incarne le Joli Marketing, Damien Joly. Moi, tu vois, quelque chose qui a fait mouche, c'est, je repense à cet exemple, une fois, j'avais assisté à un live de Aline, tu sais, de The Bee Boost. Mmh. Et en fait, j'avais mis un commentaire parce que je trouvais que l'échange qu'il y avait était pertinent et j'avais commenté. Et là, elle a dit « Ah tiens, le Joli Marketing, j'adore ton pseudo ». Et c'est là, en fait, je me suis dit « Mais ouais, c'est exactement ça que je veux amener, en fait. C'est un côté fun, un côté sympa. » Et le fait, moi, de mélanger les deux et de ne pas trop me poser la question pour le moment, peut-être que ça viendra plus tard quand j'en aurai besoin. Parce que là, aujourd'hui, concrètement, je suis en train de développer mon agence, hein, parce que du coup, il y a des clients que j'accompagne avec une équipe qui est en train d'être mise en place. Donc voilà, ils sont accompagnés par Damien, mais ils sont accompagnés aussi par le Joli Marketing. Donc il y a cette distinction-là, au bout d'un moment, qui va se poser. Et je pense que j'y amènerai un peu plus de réflexion. Pour le moment, je ne me prends pas trop la tête. Je vis le truc et je ne me pose pas trop de questions. Mais t'anticipes le fait quand même que ça va être une réflexion à mettre en place et un cadre, parce que justement, il y a certainement quelque chose à faire avec, ou du moins à cadrer, d'après ce que je comprends. Ouais. Quand même. Oui, okay. Bien sûr, parce que, bien sûr, tout à fait, je pense qu'à l'avenir, il y aura quelque chose à faire là-dessus. Ouais. Et comment tu te différencies? Parce que ça, c'est quelque chose, je pense, tes clients te demandent, te posent, ou voilà, la différence entre le branding et le personal branding. Alors, le personal branding, la différence, déjà, le branding, je pense que c'est par rapport à une société, et le personal branding, voilà, donc c'est vraiment la marque personnelle. Et aujourd'hui, moi, j'accompagne pas vraiment de structure, de société, si tu veux. Voilà, moi, je sais que tu as accompagné des grandes boîtes. Moi, aujourd'hui, je ne fais pas. Moi, j'accompagne vraiment les personnes à incarner leur marque, si tu veux. Moi, aujourd'hui, c'est ça ma spécificité. Moi, je fais plus du personal branding que du branding. Après, le branding, je le fais, moi, avec mon contenu. Et c'est de ça, on en parle après avec mes clients, lors des accompagnements. Donc, voilà, par rapport le fait d'influencer leur marque et tout ça. Mais non, moi, aujourd'hui, je différencie pas les deux, quoi. Vraiment, aujourd'hui, pour l'instant, je suis... personal branding à fond, à fond, à fond. Ok, donc... et c'est pas pour ça que tu crois plus au personal branding qu'au branding. Il n'y a pas un...
C'est pas pour ça que tu te dis, c'est tout simplement qu'aujourd'hui ça te parle plus parce qu'il y a ce côté humain, c'est ce que tu nous disais tout à l'heure, il y a ce côté rapprochement, énergie humaine qui fait que c'est le personal branding qui t'anime le plus, mais c'est pas parce qu'il y en a un qui marche mieux. Je voudrais juste remettre les points sur les i là-dessus pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. C'est vraiment parce que t'as cette sensibilité-là, mais pas parce qu'il y en a un qui est plus puissant que l'autre, j'imagine. Non, ouais, c'est ça, c'est vraiment une question de sensibilité, mais à la fois, tu vois, là, je suis en train de, bah, du coup, de créer toute une identité visuelle, justement, pour une boîte, en ce moment. Donc, c'est assez rigolo que tu m'en parles, mais en fait, pour l'instant, j'ai pas de distinction entre les deux, je fais vraiment comme si, bah, du coup, voilà, là, c'est une boîte avec un logo, et du coup, là, bah, là, je prends leur logo, et après, bah, je suis en train de diffuser toute leur identité de marque dans leur contenu sur Instagram. Donc, effectivement, mais pour l'instant, pour moi, les deux sont intimement liés. Mais sauf que bien sûr, le personal branding, ben, ça va être là, ben, comme toi, comme moi, c'est nous qui allons animer notre propre business et c'est nous voilà, qui incarnons nos propres marques. Mais effectivement, et après de toute façon, même pour la boîte avec qui je travaille en ce moment, avec qui je suis en train de leur faire toute une identité visuelle, je leur dis de toute façon, même eux, ils vont après communiquer au nom de leur boîte, parce qu'ils sont trois associés, et ben, voilà, je leur ai dit, mais il va falloir que vous communiquiez aussi, et pas forcément de façon corporate, il va falloir ben, voilà, mettre de l'humain derrière, etc., parce que dans une entreprise, derrière, ce n'est pas des robots, pas des machines. On est des humains, quoi. Et dans tous les cas, pour moi, donc pour moi, voilà, une boîte, elle est animée par des humains, avec des gens qui ont des visions, qui mettent des actions en place, et des salariés, petite... bref, voilà, c'est tout ça. Mmh. Ça représente donc, on voit bien que l'identité visuelle, pour le coup, c'est vachement important pour toi. Quand je dis pour toi, pour ce que tu enseignes, par rapport à ce que tu indiques, quel est le rôle de l'identité visuelle et pourquoi cette identité visuelle elle est importante dans une société, pour une boîte ou même en personal branding? Ok. Ben, par exemple, que ce soit, par exemple, voilà, ben, je ne sais pas, moi, admettons, ben, tiens, moi, quand je prends un client, enfin, quand je signe un nouveau client, par exemple, ben derrière, voilà, je vais envoyer donc un premier document, je vais envoyer un programme, etc. Donc, et là, en fait, on va sortir de l'Instagram. Et là, ben, je vais mettre mon logo par-ci, je vais mettre une touche de jaune, une touche de noir. Je vais, du coup, là, influencer ma marque. Je vais mettre mon identité un petit peu partout. Et ça, en fait, ben, du coup, tu vas venir influencer. Et là, c'est là, en fait, la puissance du branding, quoi. C'est qu'en fait, avec ne serait-ce qu'un logo et qu'après, bah, du coup, on le décline, ce logo, sous plusieurs supports, avec plusieurs couleurs, comme le fait McDo, hein, bah, McDo sur la frite, sur la poche, sur la bouteille de Coca, enfin, sur le verre, tout. Voilà, voilà, si on n'achète qu'un paquet de frites chez McDo, voilà, on va le savoir, puisqu'il est logoté, il y a la couleur rouge, voilà, avec, le, bah, avec les fameuses arches jaunes, enfin, voilà, c'est tout ça, c'est l'influence, et moi, je le comprends petit à petit, et je le vois même aujourd'hui, quand je regarde des publicités, je regarde plus les publicités de la même manière. C'est juste, j'analyse un petit peu comment c'est structuré et c'est brillant, quoi. Et c'est très, très, très brillant. Donc, tu conseilles à... Parce que c'est vrai que j'ai beaucoup, beaucoup de monde qui vient me voir. Alors, moins dans le e-commerce, beaucoup plus aussi en personal branding ou même en corporate. Qui me disent que, à l'époque, hein, tout le monde me disait que finalement le branding était égal à un logo. Aujourd'hui, on voit de moins en moins ça. Aujourd'hui, j'entends plutôt dire que l'identité visuelle, le logo, c'est moins important que finalement, c'est ce qu'on dégage qui est important, c'est les valeurs qu'on va indiquer. Pour toi, l'identité visuelle, ça reste une brique du puzzle, ça reste une pièce du puzzle importante pour construire son branding. Du moins, c'est ce que tu indiques à tes clients. Bien sûr. Parce que pour moi, aujourd'hui, l'identité visuelle doit être cohérente et structurée. Parce que, ben, admettons, voilà, un entrepreneur qui ben, veut se lancer sur Instagram, parce que voilà, moi, je suis sur Instagram. Ben tiens, il va faire un post bleu parce que ben, le lundi, ça lui plaît que c'est bleu. Ben voilà, après, il va faire un post vert. Après, il va faire un post noir. Et puis après, ben, tiens, je vais faire un post rouge parce qu'on va faire du rouge. Et puis, ben, tiens, je vais créer mon logo parce que ben, j'aime le rose. Non, c'est totalement incohérent, c'est totalement décousu. Et voilà. Bon, et puis, bon, ben, comme pour moi, le livre, celui d'ailleurs qui est fabuleux, « L'étonnant pouvoir des couleurs », c'est juste extraordinaire et on comprend du coup tout l'impact et toute la structure, que ce soit en décoration, en immobilier, que ce soit avec du coup du packaging. Enfin, c'est voilà pourquoi voilà, il y a des emballages qui sont noirs, d'autres qui sont blancs. Enfin,
C'est tout ça, c'est pas un hasard, c'est réfléchi, et je pense que c'est très très important au moins de tout structurer, de voilà, d'avoir quelque chose qui puisse influencer l'audience. Voilà, quand on vient sur un compte Instagram, ah ok, là je suis chez Aurélie, voilà, elle est coach de vie ou elle est investisseuse immobilière, voilà, je sais que je suis chez elle parce que voilà, elle a structuré le mercredi, elle met son carrousel en place, son carrousel il a des dominances de bleu. Voilà, c'est structuré. Mmh. Et puis le cerveau, on aime les choses structurées, on n'aime pas les choses décousues, quoi. L'humain est fait comme ça, nous sommes des êtres logiques. C'est ce que tu dis, c'est pas une simple notion esthétique, c'est une notion d'influence et de perception qui fait que ça nous donne une image plutôt cohésive, cohérente, rigoureuse, fun, tout simplement, mais c'est pas bien simplement sûr. Dire c'est joli, quoi. Excuse-moi le vilain jeu de mots que je viens de faire, mais c'est pas juste de dire c'est beau ou c'est pas beau, en fait, un logo, hein, qu'on soit d'accord, et c'est ce que tu exprimes très très bien, Damien, et merci pour ça. Et je te rejoins, merci. L'identité visuelle, c'est important dans le branding, rien que pour être identifié et mémorisé, pour qu'on sache que c'est bien vous qui êtes derrière justement ce que vous dites et derrière le message que vous portez, que vous diffusez. Ça, c'est très, très important. Comment le joli marketing met en place son branding au quotidien? Ou est-ce que, par exemple, tu as mis en place une stratégie avant de te lancer comme ça? Tu as écrit une stratégie de marque pour ton branding. Est-ce que c'est plutôt quelque chose que tu vis au quotidien ou pas du tout, juste au feeling? Comment un petit peu tu as cette... Alors, parce que tu es à la fois... tu es un peu le cordonnier qui va indiquer à ses clients le branding, qui va indiquer comment faire du branding. Mais justement, est-ce que toi-même, tu fais exactement la même chose? Est-ce que tu fais exactement ta méthodologie? Et comment tu l'appliques au quotidien? Ok. Alors, moi, concrètement, en termes de création graphique, et ne serait-ce qu'après, ben, dans les stories Instagram, moi, j'ai toujours un template qui tourne. Après, si je fais aussi du storytelling, je vais, par exemple, filmer mon écran, il y a des effets. Voilà, par exemple, ma story d'aujourd'hui, bon, même si elle sera différente au moment de cette vidéo, sûrement. Mais voilà, par exemple, il y a toujours une petite touche de jaune. Je ne vais jamais, par exemple, souligner, enfin, si, je peux souligner en rouge, parce que voilà, j'ai envie de mettre de l'importance pour souligner un mot. Mais voilà, je vais toujours souligner les mots en jaune. Je ne vais jamais prendre du vert. Du orange. Maintenant, je vais écrire noir sur avec une écriture blanche sur fond noir. Et les mots importants, je vais toujours les souligner avec du jaune. C'est comme ça que du coup voilà, que je vais mettre moi à poser mon identité de marque au quotidien dans mes stories Instagram. Et ça, en plus, on peut le faire très rapidement. Là, on se crée des templates. Et après, moi, j'ai gardé ce que j'aime en fait, c'est surtout moi, j'ai amené un fond noir un peu marbré parce que moi, je voulais amener de la matière dans ma communication. Et le noir, on sait, c'est une matière qui est très classieuse. C'est de la classe, c'est un peu le luxe. C'est quelque chose qui est très noble. Et moi, je voulais vraiment amener ce côté marbré et aussi le marbre blanc. Donc, pour garder vraiment cette image aussi de matière qui est robuste. Donc, c'est pour ça que j'ai structuré moi ma charte graphique, mon identité visuelle comme ça. Et comment je l'enseigne aussi à mes clients, mais voilà, c'est de vraiment. Donc là, on va vraiment en faire par rapport à leurs valeurs. Donc, qu'est-ce qu'ils ont envie de partager? Donc, forcément, il y a toujours une petite roue chromatique qui traîne par-ci, par-là. Donc, on voit un petit peu les valeurs. On voit, voilà, j'ai un client qui me dit, mais j'ai envie d'amener du violet. Donc, on va analyser, du coup, lui, ses valeurs. On va voir si le violet peut correspondre. On va voir, du coup, si ça peut être cohérent. Bon, voilà, il y a différentes choses à faire. Bien sûr, après, tout peut se faire. Mais moi, j'aime bien me référer aussi à ce que les couleurs veulent dire. Et voilà, par exemple, si un client me dit, moi, je suis créatif, mais en même temps, je vais amener de la confiance. Ok, mais pourquoi pas amener un petit peu de bleu? Et on va voir. Donc voilà, après, bon, il y a toute forme de couleur, mais voilà, moi j'aime bien. Donc tu l'amènes, ton branding, tu le diffuses au quotidien et tu le travailles au quotidien, d'après ce que je comprends, encore une fois, par l'identité visuelle, par les valeurs, par l'image, principalement, quoi. C'est ça, okay. C'est ça, c'est ça, c'est ça.
Et tu nous as parlé de storytelling. C'est un grand levier aujourd'hui, le storytelling, dans ton, dans ta proposition de valeur. C'est quoi, pour toi, un bon storytelling et comment on peut le mettre en place pour tous ceux qui nous écoutent et pour, il y en a beaucoup, ça parle pas, le storytelling, ou c'est compliqué, ils savent pas comment raconter l'histoire ou une bonne histoire pour attirer et fédérer, justement, leur audience. Comment on peut mettre en place son storytelling en 3 ou 4 simples étapes, à ton avis ? Déjà, pour moi, un bon storytelling, c'est que, déjà, moi, je me rappelle, déjà, quand je parle de mon projet, comment on me demande, ouais, ben tiens, comment t'en es arrivé là ? Ben, mon storytelling, bon, voilà, c'est déjà, moi, c'est mon histoire personnelle. Et comment on peut le mettre en place ? Ben, déjà, ben, pour se différencier, mais si vous devez vous présenter, voilà, ben, sur Instagram, en story, ben, repensez, voilà, à vos éléments clés. Ben, du coup, qu'est-ce qui a fait que vous êtes là aujourd'hui ? Vous avez tenté ça, quelle était votre vision rêvée ? Quels ont été les freins, quels ont été du coup les doutes. Ensuite, vous avez plongé, du coup, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Ensuite, on s'est focalisé sur ce qui a fonctionné. Je me suis encore plus investi, et puis derrière, je suis arrivé sur la finalité. Donc, au final, vraiment, en trois étapes, si on prend du coup, ben, sa vision rêvée, le déclic, les freins, et puis après, la finalité, vraiment, en quatre étapes, on peut se focaliser là-dessus. Et puis, magnifique. Si admettons, voilà, on veut développer. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Ben, c'est magnifique. Et. moi, je trouve ça comme ça. Enfin, moi, ça me permet vraiment de. Moi, c'est comme ça que j'ai canalisé mon storytelling, parce que ben ouais, moi, j'étais ouvrier, j'avais pas de compétences, de diplôme. Mais non, en fait, c'est juste que ben j'ai appris comme tout le monde. Je me suis focalisé sur ce que j'aimais faire. Voilà. Puis après, ben comment maintenir ben du coup un storytelling, par exemple dans un carrousel, en mettant un petit peu de tension, en mettant ben en plus en étant minimaliste. Moi, j'adore ça. Des pavés, des grandes phrases dans un carrousel, je déteste ça. C'est imbuvable. Et voilà, et de maintenir une certaine tension et de raconter une petite histoire avec des petits ingrédients. Et surtout, ça permet de créer un lien émotionnel. Et ça, c'est très, très, très important de Bien garder sûr. À l'esprit. Quoi. Bien sûr. Le joli marketing, donc, qui fait du branding, j'ai envie de te poser une question. Ça va être, alors, à ton avis, pour toi, branding ou marketing ? Voilà, c'est deux choses, deux notions, deux leviers qui sont complètement différentes. Et c'est vrai que le joli marketing, bah, c'est du marketing qui fait du branding. Lequel des deux et pourquoi et comment tu vois les deux choses ? Comment tu vois ces deux leviers ? Excellent. Bah en fait, moi, comment je vois ces deux leviers ? Tout simplement parce que, à la base, moi, les gens qui veulent me voir, déjà, ils veulent structurer leur marketing. Ouais, mais moi, je veux parler, voilà, moi, je veux faire études, je ne sais pas à qui parler, je veux m'adresser, ben, voilà, aux sociétés ben, qui font des mariages, qui vendent ben, des objets pour les mariages. Je m'adresse aussi aux wedding planners. Bref, non, enfin, quelle est ta cible ? Tu peux en avoir plusieurs, bien sûr, mais de la structurer, et ça se structure par un marketing, et pas l'inverse. On structure son marketing, on structure son message marketing, on structure voilà, ben déjà son client, quels sont ses besoins, à quelles problématiques on répond. Et derrière, le branding va venir appuyer le marketing et pas l'inverse. On ne fait pas d'abord du branding et le marketing après. D'abord, on structure son marketing, on voit le message qu'on veut faire passer, à qui on s'adresse. Donc déjà, ben, ce que je fais, pour qui je le fais et comment je le fais, d'accord ? Et après, derrière, on met les leviers du branding en place pour influencer sa communauté, son audience, pour après devenir une autorité, etc., etc., quoi. Mais pas l'inverse. C'est marrant, ça. C'est marrant ce que tu dis, parce que... et c'est bien, tu vois, chacun ses convictions, chacun son idée. Moi, j'ai totalement l'inverse. Et ce que j'indique à mes clients, c'est totalement l'inverse. Et ce qui est bien, c'est qu'on est dans un monde, justement, où on a des idées qui sont différentes et chacun ses convictions. C'est pas pour ça que c'est mieux, c'est pas pour ça que c'est bien. Cette question, je la demande à beaucoup de monde. Et à chaque fois, c'est justement, si je pose cette question, c'est parce qu'elle fait débat. Et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de bonne réponse au final. Hein, et c'est pas, chacun fait comme il veut du moment qu'il a des résultats, j'ai envie de te dire. Mais ce qu'il faut comprendre, je pense, au travers de ce que tu viens de dire et de cette question, c'est pourquoi vous le faites. Et c'est-à-dire, qu'est-ce que vous comprenez dans le branding et qu'est-ce que vous comprenez dans le marketing ? Comment vous cadrez le marketing ? Comment vous cadrez le branding ? À partir de ce moment-là, si vous voulez faire avant, c'est OK. Si vous voulez faire après du branding, c'est OK. Mais pourquoi vous le faites dans cet ordre-là ?
Voilà, c'est le seul conseil que je pourrais dire. Après, en effet, chacun ses convictions. Je préfère, moi, d'abord, concevoir le message, la vision, pour qu'on puisse mieux la transmettre dans un process marketing. Toi, tu es d'abord dans le process marketing pour ensuite optimiser par du branding. Et au final, est-ce que ça ne serait pas la même chose? Toi, je me demande, quoi. ouais, tout simplement. Aujourd'hui, tu nous as indiqué tout à l'heure que tu étais plutôt inbound marketing, que sur ton compte, il y avait pratiquement que de l'inbound marketing. Je parle pas des stories sur ton compte Instagram. Et aujourd'hui, pour toi, comment tu emploies l'inbound marketing et le brand content? Comment tu l'indiques à tes clients? Est-ce que pour toi, c'est véritablement un levier qui est important et qu'il faut bien différencier? Et comment tu le différencies pour ton business, mais aussi pour ceux de tes clients? Ok. Moi, l'inbound marketing, concrètement, aujourd'hui, moi, je suis juste, en fait, un facilitateur. Moi, je suis là pour aider les autres. Je n'ai pas d'objectif de notoriété pour le moment. Je ne suis pas quelqu'un de connu, je n'ai pas fait de publicité à la télé, je ne suis pas passé à la radio. Bref, je ne suis pas connu, je suis un inconnu au bataillon. Voilà. Après, à partir du moment où je commencerai à avoir ne serait-ce que du coup un gros réseau entrepreneurial en France, que par exemple, si j'aurais fait plusieurs conférences, que je serais vu, qu'il y aurait eu, j'aurais eu je sais pas, un photographe qui m'aura photographié sur scène. Là, effectivement, on peut commencer à parler un petit peu de notoriété et commencer un peu à partager une autre vision entrepreneuriale, etc. Parce que voilà, moi, la notoriété, c'est vraiment le brand content, ça sert pour moi à cet objectif-là. C'est bien aussi de mettre en confiance, mais les gens, ils me voient en story et je n'ai pas besoin pour l'instant qu'ils me voient dans mon contenu. Moi, je fais juste, j'apporte de la valeur, j'apporte des solutions. Ça reste du brand content quand même, ce que tu fais en story. Tu es d'accord ou pas? Ah oui! Alors oui, je le fais par la story, mais parce que je préfère le garder moi plus en type coulisses, si tu veux. Moi, je garde le côté humain en fait par la story, et après le côté inbound par mon contenu, quoi. C'est comme ça que je fais vraiment. Si je comprends bien ce que tu conseilles, parce que tu le fais pour toi déjà, c'est de diffuser de la valeur en premier. Et ensuite, une fois qu'on a donc ces visibilités, notoriété, autorité, dans l'ordre, hein, je pense, et c'est une fois qu'on a atteint un certain niveau de notoriété, qu'on pense, chacun après, il met le curseur qu'il veut, et c'est qu'à partir de ce moment-là qu'on parle de soi-même et uniquement de soi. Parce que le brand content, hein, je le rappelle, c'est se mettre en valeur, c'est diffuser qui on est, sa personnalité, ses valeurs, soi et son quotidien aussi pour certains. Son écosystème est beaucoup plus personnel. Et donc, ton conseil, c'est diffuser d'abord de la valeur, diffuser tout ce que vous savez, l'expertise, pour mieux attirer votre audience. Et ensuite, à partir de ce moment-là, une fois que vous avez votre communauté, faites du brand content, c'est ça? C'est ça. Moi, c'est les choses que je vois les choses comme ça. Après, je dis pas que j'ai la sainte parole. Chacun fait ce qu'il veut. Mais moi, je pense qu'à partir du moment, moi, j'y verrai pas de logique. Je démarre un compte Instagram. J'ai pas 10 abonnés. Je me mets en photo. Les gens savent pas qui je suis. Je vais parler d'un sujet. Ils vont pas comprendre. Non, et pour le coup, ça je me suis pas, à 100% d'accord avec toi. Hein. C'est, ça me paraît pas logique. Ouais, non, mais je suis à 100% d'accord avec toi, même si j'en connais qui ont aujourd'hui des comptes Instagram et qui n'ont fait que du brand content et qui ont développé un compte Instagram énorme, mais encore une fois, avec une stratégie qui a été claire dès le départ et une vision qui est claire dès le départ, donc il n'y a pas, encore une fois, de bonne ou de mauvaise réponse, il y a pourquoi on le fait. Et quand on répond à cette question, finalement, ça devient tellement naturel. Mais je te remercie pour la réponse parce que je trouve que c'est important. Aujourd'hui, on a du mal à bien différencier ces notions qui peuvent être pour certains la langue étrangère et qu'il faut à un moment dire qu'est-ce que c'est et pourquoi on l'utilise et comment on l'utilise et surtout dans notre milieu qu'est le branding. Pour finir, il nous reste très peu de temps. Pour finir, quelques questions rapides. J'avais dit en tout début d'interview qu'on allait parler musique. Alors, tes trois meilleures musiques préférées. Ooh. Ok. Wish Over Here des Pink Floyd, Stairway to Heaven de Led Zeppelin. Et après, j'ai envie de parler d'un artiste
que j'aime beaucoup, qui s'appelle Tilassine, qui s'appelle en fait William Rosé, et qui est en fait un mec, il fait de la musique électronique, et je vous invite à écouter son dernier album qui s'appelle Timeless, que je viens de commander en vinyle, et qui a déjà tourné sur de la platine, mais à de nombreuses reprises, qui reprend tous les classiques, Mozart, Schubert, qui est encore dedans, il y a Eric Satie avec les Gymnopédies, fait juste exceptionnel, et du coup voilà, mais il revisite ça sa sauce avec de la musique électronique très travaillée, quelque chose qui est pas agressif du tout, ça vous vous laissez porter, et voilà, enfin c'est juste de la musique exceptionnelle. Et puis après je rajoutais Hans Zimmer aussi, pour moi c'est un une grosse influence, un gros classique. J'ai eu l'occasion d'avoir eu en cadeau le triple vinyle en anniversaire, donc pour l'anniversaire du coup triple vinyle violet de Hans Zimmer, qui est juste magnifique, et tout le concert live, c'est juste des sensations exceptionnelles avec tout un orchestre, et là c'est fou, enfin, la musique aussi elle a un branding énorme, j'ai envie de dire, mais par ces instruments qui peuvent influencer certaines perceptions, certains sentiments, la musique fait monter des émotions, enfin, c'est un sujet juste incroyable. Alors moi je sais que toi tu l'utilises, alors c'est pas que tu l'utilises dans ton branding, c'est que c'est ta passion, donc forcément et naturellement tu vas l'utiliser, et tu donnes envie ou tu partages des émotions avec cette musique, et merci à toi, ça fait du bien, et je trouve qu'en effet la musique adoucit les mœurs comme on dit, et dans ces temps-ci c'est très agréable. Est-ce que tu l'indiques à tes clients ou pas du tout, ça reste une passion pour une passion qui diffuse quand même de manière extraordinaire les émotions? Ouais, alors j'en parle, voilà, par rapport aux stickers musique qu'on retrouve sur Instagram et en story, on peut mettre un fond musical dans une vidéo, et en fait ça rajoutera toujours une certaine ambiance. Alors après pour ceux qui veulent ils en mettent naturellement. Mais après ça, je n'ai pas vraiment de réelle stratégie là-dessus, mais bien sûr qu'après, effectivement, pour le moment, et d'ailleurs c'est très bien que tu soulignes ça, David, pourquoi pas, je pourrais l'inclure tout à fait, parce que voilà, pour moi, la musique, c'est juste un énorme vecteur émotionnel, et on peut faire juste passer des émotions énormes, mettre une ambiance particulière, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'il ne faut pas lésiner, donc voilà, mais ne serait-ce qu'une vidéo YouTube avec une musique en fond, ça reste toujours agréable, on arrive à canaliser une ambiance un peu plus sympa, ça fait moins froid qu'une personne juste qui parle comme ça, voilà, moi vraiment la musique c'est quelque chose d'important, et ça permet de souligner beaucoup de sujets et d'émotions. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi, et je rajouterais même que la musique, ça permet, dans le branding, de vous identifier. Il suffit de 3-4 notes, il suffit d'un accord. Souvent, on se rappelle d'un produit aussi par rapport à un générique d'une pub. Par exemple, on se rappelle d'un produit avec ces 3-4 petites notes qui semblent si anodines et pourtant qui permettent de rentrer dans la tête des gens. Et comme je l'ai souvent dit et je le répète souvent, et ce que disait Steve Jobs, c'était que le branding, c'est l'opportunité de rentrer justement dans la tête des gens, d'être mémorisé par son audience. Et bien, ces 3 petites notes, 3, 4, 5, 6... cette musique, en tout cas, cette sonorité, elle est importante pour que vous puissiez bien être mémorisé de la part de votre audience si vous la répétez de manière régulière. Donc, il n'y a pas que le visuel, Damien a raison, il y a la musique, c'est très très important dans le branding, aussi bien pour faire passer votre message, pour faire passer une émotion, mais aussi pour qu'on se rappelle de vous de manière mécanique, et il y en a beaucoup qui l'oublient, c'est un levier que j'utilise notamment sur ma chaîne YouTube et dans mes vidéos YouTube, et vu que là je vais en diffuser pas mal de vidéos YouTube, c'est un levier, c'est j'ai pris des notes exprès qui justement font qu'on va se rappeler de manière beaucoup plus naturelle et beaucoup plus facile un générique, et qui ça permet de s'approprier justement encore plus une identité. Donc je vous recommande la musique. Quelle est ta marque préférée dans le branding et pourquoi? Ma marque préférée dans le branding, alors ça c'est une très bonne question. Bon, après moi je suis très Apple, je peux pas le nier, j'ai tout à la maison Apple, bon toi aussi David Ferru, on en avait déjà parlé. Mais d'ailleurs, moi, ce que j'adore, en fait, c'est que en 1990, ou même dans ces années-là,
Mon père avait le Macintosh à la maison, avec la disquette en façade. Mmh. Et quand on l'allumait, il y avait le son, ce fameux son là. Et on le retrouve toujours aujourd'hui. Et ouais. Et comme quoi le son c'est important. Hein. Et ça, franchement, pour moi, Apple, la pomme et tout ça, on retrouve la pomme dans... Nike aussi, grosse marque, on peut pas le nier, c'est une très très grande marque aussi. Dans Forrest Gump, voilà, d'ailleurs, bon, dans ce film, on peut retrouver d'ailleurs plusieurs univers, mais voilà, avec la pomme d'Apple, avec les plusieurs traits colorés, eux, ils avaient un branding vraiment à l'époque multicouleur. Et non, bien sûr, après, ouais, voilà, Apple, j'aime beaucoup l'univers minimaliste, l'innovation, ce qu'ils proposent, et ouais, c'est une marque qui me plaît bien, ouais. Ok, mais t'es pas le seul, hein. c'est une marque aujourd'hui en termes de branding qui fait le job. Ouais. T'es plutôt PlayStation, Xbox ou Switch? PlayStation. T'es team PlayStation, ok. Ouais, PlayStation. Okay, pourquoi la team PlayStation? Ah, c'est PS, voilà, c'est le signe PS, c'est Sony, c'est moi, j'ai grandi avec ça. Xbox, moi j'ai jamais été team Microsoft, hein, ça a jamais été mon délire. Mais voilà, non, j'ai la team Windows, non, pas du tout, non, moi c'est ouais, PlayStation, vraiment l'univers de Sony aussi, gros branding, hein, Sony, autour de ça, si on y repense un petit peu, à l'époque du logo de PlayStation, la PS1, ouais, c'est toutes mes années, c'est mon adolescence et tout, donc ouais, non, je peux pas, quoi, ah, je peux pas, c'est PlayStation. Ok, bon, je suis team Nintendo Switch, désolé, plutôt Nintendo, okay. Plutôt Mario, tu vois, un peu plombier, peut-être, je sais pas. Ouais, excellent. Trois livres que tu conseillerais, ou alors je dis trois, ça peut être un, deux, ou cinq, si tu veux, ouais. Okay. On s'en fout, trois. Mais des livres que tu conseillerais, et pourquoi ces livres-là? Ok, moi, mon number one, comment se faire des amis, la base, pour moi, comment mieux communiquer, mieux comprendre les autres, et surtout, comment s'assouplir, comment devenir plus positif, comment aussi, trouver de nouveaux clients, convertir mieux, lisez-le, c'est fantastique. J'ai adoré aussi Seth Godin, le storytelling dans le marketing. Génial, donc du coup les marketeurs, je crois que c'est les raconteurs racontent des histoires, un truc comme ça. Et là en ce moment je suis en train de lire The One Thing et j'adore ce livre, et vraiment là je trouve que je ne l'ai pas encore terminé, mais vraiment ça remet en cause beaucoup de choses et de se concentrer uniquement sur l'essentiel, surtout quand on est pour l'instant au début solopreneur, et même qu'on soit après chef d'entreprise, c'est juste un livre extraordinaire, quoi. Donc, The One Thing... Gros game changer, ouais. Pour moi, The One Thing, c'est une claque. Un truc de fou. Voilà, donc Seth Godin avec, du coup, les marketeurs sont des menteurs, ouais. Et on commence par les amis, quoi. Voilà. Ouais, Seth Godin, il y en a un paquet d'ailleurs, si vous voulez, si vous aimez Seth Godin, il y en a un paquet sur le marketing, c'est ça, notamment la vache propre, il y a ouais. La tribu, il y a j'en ai lu un dernier, un mouvement en fait, alors je le redirai jamais, le niche ou je sais pas quoi, bref, c'est un mouvement pour devenir justement différent et être leader, et Seth Godin, ouais. C'est une base en marketing, franchement. Ouais, que des bons livres, hein. Vraiment que des, merci. Des très très ouais. Bons livres que je vous recommande aussi. Très rapidement, un avis sur Clubhouse, le dernier des réseaux sociaux un petit peu en vogue. Ouais, pour moi, tendance. Tendance, okay. Pour l'instant, c'est cool, mais bon, après, moi, je ne suis pas dessus régulièrement. T'es acteur, moi, consommateur? Non, pas du tout, ouais. Pas du tout, en fait. Aussi, un peu les deux, enfin, j'ai fait une room vendredi dernier, j'ai été invité sur une room, c'est très, très, très sympa, mais voilà, pour moi, c'est actuellement, voilà, moi, dans mon activité aujourd'hui, voilà, c'est un réseau social plus, c'est cool, hein, on peut se diffuser encore un peu plus, c'est un nouveau vecteur. Mais voilà, pour moi, y a pas tendance. L'image, quoi. Il y a pas l'image, quoi. Après, je pense. Il y a pas les couleurs. C'est important, mais voilà. Mais c'est pour moi. Ouais, pour moi, je suis pas un convaincu. Ça reste une hype un peu. Et, ok. Ok. C'est quoi la suite pour le joli marketing? C'est quoi tes objectifs en 2021? Ok. 2021, déjà, c'est structurer mon activité. Structurer mes coachings, avoir accompagné un groupe de 10 personnes. Donc là, je suis en train, de mettre ça en place. Et puis 2022, surtout, voilà, bon, 2021, on va structurer un peu tout ça. Puis derrière, création de l'agence, quoi. Donc, création de l'agence, voilà, avec des clients accompagnés,
pouvoir proposer du coup voilà des stratégies de contenu etc. Puis toujours toujours voilà dans l'humain. Moi j'ai pas envie d'avoir une agence avec 100 personnes, c'est pas mon délire. Non, moi je veux rester vraiment à une base humaine, même avec une équipe de freelance pour le moment, ça me va très bien. Voilà, j'ai actuellement deux personnes avec qui je travaille, j'ai deux prestataires avec qui je bosse, qui bossent comme mes clients que j'accompagne. Donc voilà, c'est. Puis j'aime ce côté-là, voilà, c'est, ça me plaît. J'ai toujours aimé m'entourer aussi, et donc là, en plus, j'ai tendance à vouloir m'entourer des personnes meilleures que moi. Donc voilà, c'est en bonne voie. Non, mais pour l'instant, ouais, l'agence, et puis après, du coup, moi, toujours de développer du coaching one-to-one parce que ça me plaît beaucoup. Et puis voilà, puis donc on structure, et puis après, on pose les bases, et puis après, en 2022, on verra quelle tournure ça prend. Mais pour l'instant, ça. Je suis content, quoi. C'est déjà un bel accomplissement et je l'aime. Il faut avoir de la gratitude. Ouais, vraiment, je suis fier de moi et j'aime tout ce qui se passe aujourd'hui dans mon activité. Et puis voilà, je prends du plaisir et surtout, je m'amuse, quoi. Tu t'amuses, tu es libre. Et ça, c'est vrai que tous les jours, hein, et moi le premier, et encore aujourd'hui avec des amis, on en parlait sur un canal WhatsApp. Beaucoup de gratitude parce qu'on est libre, on est libre de faire pas ce qu'on veut, mais presque, du moins de le déployer comme on veut. Et ça, quand on est entrepreneur, c'est magnifique. Cette liberté, elle n'a pas de prix. Et je vous le conseille si vous n'y êtes pas encore. Merci Damien. Alors, on a une toute dernière partie dans cette interview. J'ai instauré une partie qui s'appelle la promo. La promo, c'est une partie où on dit tout, où. Tous tes services ou ce que tu souhaites, tu peux dire des prix, tu peux nous dire où te retrouver. Bref, si demain on veut être accompagné, si on veut acheter du Damien Joly, si on veut acheter du Joly Marketing, où est-ce qu'on va et quoi et qu'est-ce qu'on a. Bref, c'est le moment promo, quoi. Vas-y. Yes, ok, ça marche. N'hésitez pas à me retrouver sur Instagram principalement. J'ai aussi un groupe Facebook que je suis en train de développer petit à petit. Et puis après ouais non principalement sur ces deux canaux et puis après voilà n'hésitez pas à venir me voir, voilà je peux vous aider à vous positionner sur Instagram, à communiquer de façon efficiente et surtout pour donner confiance à vos prospects et trouver du coup plus de clients. Je peux vous accompagner aussi à structurer votre marketing, voilà, en vous accompagnant mensuellement. Et puis après, voilà, je fais aussi des séances de consulting s'il y a besoin, s'il y a besoin de conseils, s'il y a besoin des fois de prendre un peu du recul par rapport à son business. Et c'est toujours intéressant parce qu'on est tellement tête dans le guidon que là, je fais partie d'un mastermind d'entrepreneurs. Donc, on est 7 entrepreneurs et on se voit une fois par mois, on se fait une grosse journée. Et ça permet d'avoir des avis différents. Donc, ne pas hésiter à demander des fois des questions. N'hésitez pas à venir me poser des questions si vous avez envie d'en savoir plus. Si ce que vous faites, c'est bien, pas bien, déjà toujours avoir quelques conseils. Et puis après, voilà, si on va plus loin, on se fait un appel. Et puis voilà, on définit un petit peu vos stratégies, vos objectifs, et puis on discute. Et tout ça dans la joie et la bonne humeur, mon cher David. Il faut le garder. Merci, Damien. Justement, j'ai passé un excellent moment. Merci à toi. Moi aussi. Avec énormément de valeur. C'était top, franchement. Si vous avez des questions à poser à Damien, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas à liker cette vidéo et de dire à Damien, justement, toute la valeur qu'il peut avoir. Surtout, mettez un pouce pour Damien. Allez le voir. C'est magnifique. C'est du joli marketing. Merci énormément à toi. Je te laisse le mot de la fin, Damien. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, en tout cas, croyez en vos rêves. Misez tout sur votre image parce qu'aujourd'hui, vraiment, vous êtes votre meilleur actif. Et c'est ça que j'ai envie de partager. Et puis voilà, du coup, croyez en vous. Éclatez-vous, amusez-vous. Et puis, si vous avez envie, ne vous inventez surtout pas un personnage. Ça, ne faites pas cette erreur, ne vous mettez pas dans la peau d'un autre. Tous les autres sont déjà pris. Voilà, je finirai là-dessus. Mais en tout cas, voilà, authenticité, bonheur, valeur et puis du fun, quoi. Pas mieux, merci, ciao, à bientôt.